mot nous attendons dans la société, on ne peut pas attendre des mots ça dans la société, ou déjà qu'on est que la société ça a commencé à effondrer. Et à remarque, toutes les grandes civilisations antiques qui disparaissent, c'est parce qu'ils ont effondré moralement qui fait disparaître. Maintenant, comprendre moralement, ils ont effondré moralement qui fait disparaître. Ça, ça veut dire qu'ils ont effondré moralement qui fait civilisation ça disparaître. Parce que question morale, yo, en dedans société, yo fondamental pour société à rester vivant. Même dire société à rester vivant pour société à continuer à fonctionner. Parce que question mœurs, question manière moun vive à moun, li fondamental. Ceci étant dit, il faut qu'il y ait des hommes éclairés. Et pas éclairés qu'à l'école, chita bon diplôme des mécaniciens intellectuels. Regardez, ça m'a parlé. M'a parlé des hommes éclairés, des hommes qui des sages qui livraient l'esprit à l'activité de penser, de produire une réflexion solide sur les mœurs, les coutumes, les manières d'être et d'exister à l'intérieur de nos sociétés. Ça, vous besoin comme fondamental, parce que ce sont des sentinelles, ce sont des gardiens du temps. Et pour cela, on est obligé de prendre ces hommes-là pour faire tourner des colonnes en dedans de la société. Et depuis la société, il y a des colonnes, c'est-à-dire des hommes, pour mettre chou que fondement société a été solide pour ne pas effondrer, moralement société a fucking crasé. Maintenant, quand vous avez des hommes qui gagnent ce qu'on appelle des vices dans l'esprit, en quelque sorte, ils ont échoué. Société a échoué. Ça veut dire. L'homme ou société a gangrené, a calé, dit vicieux. L'homme ou société a calé gang. L'homme ou société a calé volé. L'homme ou société a calé corrompu. L'homme ou société, c'est assassin, l'a calé. Et puis, deuxième élément, regardez. C'est pas le fait que société a calé corrompu, a calé volé, a calé gang, a calé assassin. Non, qui m'a dit. C'est deuxième question, élément pour garder, c'est le comportement, c'est l'attitude de ceux et celles qui se disent l'élite par rapport avec phénomène d'art. Ça veut dire. Où on est dans une société où est ces volets, gangs, assassins, massissi, madivinaise, senti caca, société abdonnée. Maintenant, premier bagage ou fait, ou tourner au gars vers ce qu'on appelle les élites. Maintenant, qui ça qui est élite, là? Élite sociale, là. Ce sont ceux qui se disent éclairés, les hommes éclairés, c'est-à-dire les gardiens, les sentinelles de la société. Vous voyez, je vais vers malpropre, t'es ça, le voyez, je vais malpropre, t'es ça, pour comment il a réagi. Maintenant, si par hasard, ou remarquez, de un certain laxisme, bon côté, mounsayo, c'est-à-dire que les autorités, commencez par l'autorité ecclésiastique, c'est-à-dire que les négoués étaient autant de les pasteurs prêts dans l'église. Ou virez je vers les juges, la justice, ou garde où les négoués les juges en dedans dans la société, ça, sont dans le calendrier. Ou virez je vers ceux qu'on appelle les politiciens. L'envoie un jour, ça, ce sont des corrompus, des sentis, des cacapoules. Maintenant, mon gros problème qui vous est, c'est que, remarque ça, constat ça, les symptomatiques de société qui effondre. Vous devez comprendre ça, Mabdia, ou prendre bourgeois. Mabdia, là, le fondamental. Je l'explique au bout de raison. Parce que du moment que vous êtes animé par un bon esprit pour venir redresser moralement fondement société, ça, moun sa yo qui corrompu et qui se disent élite en dedans société, ça, moun sa yo a détruit yo. You guys don't really pay attention with that. À chaque fois une société va l'effondrer, moralement, l'esprit gardien société ça toujours voyé un messager. Un messager annonciateur de effondrement société à qui va l'en confronter. Mais le plus souvent, comment on rend nous compte que société à qui condamner tête li? C'est les sociétés ça, yo campé pour yo détruire moun qui campé pour ça qui bon en dedans société à. C'est-à-dire que, lorsque société a pas effondré, l'esprit sociétaire, parce que qui est en quelque sorte producteur des bonnes mœurs, des beaux coutumes dans la société, ça, il pral voyer ce qu'on appelle des éclaireurs, ça, il pral venir pour annoncer, pour avertir effondrement,
social, moral, spirituel, société. Ou quand ça va passer là, société après tellement, en réalité, son test lié, son test que l'esprit a fait pour le capable évaluer dans quel niveau société ça a effondré. Est-ce qu'elle vit va encore? Est-ce que société ça nous kakimbil? Est-ce qu'elle a quitté l'effondré ou pas? Ça a une dimension mystique là dans tout. Pour moun qui a une dimension mystique, yo comprenne ça m'a dit là. So, basically, les moun ça a vini se envoyer, automatiquement le descend là, commencer à exposer des vices, là, exposer des mœurs, des caractères qui va bon. Jean moun yo traité moun ça. C'est lui pour expliquer que société ça va finir.